Joseph Joute qui dit qu'il gagnait plusieurs amis dans l'opposition et il comptait sous yo pour arriver bah pays à yon trêve. André Michel dit il pas connaît premier ministre là, il pas jamais rencontré une fois avec lui. Donc dans non secteur démocratique et populaire, André Michel dit pas gain sa pièce à faire trêve la guerrier. Mm-hmm. Mais André Michel, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour Guerrounel René, bonjour tout auditeur Radio Caraïbe. Bon, première rectification, nous-mêmes, nous sommes opposition démocratique. Nous sommes opposition démocratique. Opposition radicale, c'est opposition qui tient des âmes dans la main pour le Roumain. Nous sommes une opposition démocratique, mais nous sommes une opposition de conviction. Nous ne sommes pas une opposition molle, mais non pas opposition radicale. C'est une molle, c'est radical. Non, nous sommes une opposition démocratique. Oui, ça veut dire une opposition molle tout. Hein? Une opposition molle. L'opposition molle, c'est l'opposition qui ne mène aucun combat. Okay. C'est l'opposition qui n'a pas de conviction. Mm-hmm. Nous sommes une opposition de conviction, mais nous sommes une opposition démocratique. Mm-hmm. L'opposition radicale, c'est une opposition qui fait le choix des armes comme instrument de combat politique ou encore méthode de combat politique. Nous ne jamais prendre les armes. Tout ça n'a mm-hmm. fait, nous faire conformément à la loi et à la Constitution. En avancé. Bon, mm-hmm. c'est une rectification. Maintenant, mm-hmm. pour la déclaration. Par exemple, mettre la 10 journée après le mauvais. Oui, c'est la conviction. C'est mm-hmm. la conviction. Ah, c'est conviction. Mais comment on joue qu'à mauvais. Oui, c'est mm-hmm. la conviction. En avancé. Maintenant, sur la déclaration du Premier ministre, je le répète encore une fois, M. Joseph Joute, c'est quelqu'un que personnellement, je ne connais pas. Bah, j'aime rencontrer Joseph Joute une seule fois dans la ville. Mba jamba la main et si moi li m'ka reconnaître parce que qu'on y a gain télévision gain réseaux sociaux pour qu'on visage tout le monde mba jamba rencontrer le nan vie m'a pas connait m'ta dire le fond attaque sur moi sur radio métropole il dit gain côté le te connait moi nous pas dans même classe etc. Non mais li dit c'est parce que nan notre te mettait dehors ou te dit yon certain Joute Joseph. Mais c'est un certain Joute Joseph, c'est quelqu'un que personne ne non connaît. Mais son premier ministre, son cadre dans l'État quand même madame Michel. Là, on a parlé de premier ministre, on va parler de cadre dans l'État. Non, son fonctionnaire de l'État, quand même. Attendez. Un fonctionnaire de l'État, comme fonctionnaire de l'État, c'est quelqu'un qui a une carrière, mais à partir du moment où il devient premier ministre et que personne ne va dire qu'on connaît, c'est un certain Joseph. Non, comment personne ne va connaître là, monsieur. Bon, écoutez, c'est pas ça le débat, mais pour moi, c'est un certain Joseph. Personne ne connaît ces messieurs. Je regrette que ça fait le mal, mais c'est ça. Maintenant, sur sa déclaration, nous-mêmes nous dit que Jovenel Moïse montrait, on l'autre fois encore, que c'est nous-mêmes, dans le secteur démocratique-là, dans l'alternative consensuelle-là, qui gagne raison. Nous avons choisi pas de participer dans la négociation qui t'a faite, dans l'annonciature apostolique-là. Et je dis à l'éclair, Jovenel Moïse choisit un premier ministre sans aucun respect pour les groupes politiques qui étaient présents dans l'annonciature apostolique là, sans aucun respect pour les groupes de la société civile qui étaient choisis à discuter avec lui, et tout le monde dit que c'est un choix unilatéral. C'est la preuve que ce n'est pas un homme de dialogue, ce n'est pas un homme de compromis, ce n'est pas un homme de consensus, c'est un homme de dissensus, M. Pacoué dans un dialogue vrai. Et il a roulé dans la farine tout le monde qui était choisi à discuter avec lui. Je vous dis à l'éclair, il n'y aura pas de drain. Il n'y aura pas de trêve. Et avant la semaine prochaine, le secteur démocratique et populaire et l'alternative consensuelle, obligés réunis pour fixer leur position sur cette conjoncture très spéciale et pour remettre les troupes en ordre de bataille. La communauté internationale s'est trompée totalement sur la nature de la crise haïtienne. Ils pensaient qu'ils sont capables de supporter Jovenel Moïse pour mener un pays à une élection mal organisée, une élection truquée pour permettre à celles et ceux qui ont dilapidé les 4,2 milliards de dollars américains du Fonds Pétro-Caribé de rester au pouvoir à partir d'une élection truquée. Non, la guerre de Troie n'aura pas lieu. Le peuple haïtien, le secteur démocratique, l'alternative consensuelle, les groupes de la société civile, les autres forces politiques ne vont pas se croiser les bras pour que cela puisse arriver à ce pays. On va se battre
Et moi, dis, la transition est inévitable. Parce que justement, l'alternance politique ne sera pas réalisée. Par jamais bien élection en Haïti avec Jovenel Moïse. C'est clair, on va vers une transition. Pour qui ça, une transition importante comme ça, Maître André Michel? Comment? Pour qui ça, une transition importante comme ça? Mais attendez, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Quelle est la situation? Ou gagner on équipe monde qui faut pouvoir. Qui utilisait la corruption comme méthode de gouvernance. Tout ça qui est comme ressource dans l'État, il prend. Et puis qu'on y a, même équipe l'a décidé, pour mener une élection truquée, pour utiliser le trésor de guerre qu'ils ont ramassé grâce à la corruption, pour sauter, assauter le pouvoir politique. On ne peut pas accepter ça. Nous-mêmes, nous n'avons pas demandé n'importe transition, nous demandons une transition de rupture. Une transition qui peut permettre que nous posions la question de fond, une transition qui peut permettre que nous abordions la question de la nouvelle constitution, une transition qui peut permettre que nous réalisions la conférence nationale haïtienne souveraine, une transition qui peut permettre que le procès Petro-Caribe est fait, une transition qui peut permettre que nous sortions du pays dans la gouvernance acaïque qu'il y a pour nous rentrer dans l'autre dynamique. C'est le combat du secteur démocratique et populaire et heureusement, je peux le dire, la population a adhéré à ce combat, la population a adhéré à ce que nous portons comme idée, à ce que nous portons comme combat politique, ce que nous portons comme projet politique. Plus clair, la nomination de M. Joutre et des membres de son cabinet ministériel, pour nous, ça n'a aucune importance. Et avec ce choix, Jovenel Moïse a aggravé la crise politique et le montré que toute question, dialogue, discussion qui t'a pallié, c'était bloc. Il n'y a pas de jambes de négocier et c'est ça qui fait les rouler dans la farine. Non, mais nous-mêmes, dans le secteur démocratique, nous pas dans le dialogue là, quand même. Mais heureusement, mon cher, c'est pas ça vous dit. Je vous dis, heureusement, nous pas dans le dialogue là. Non, c'est pas vous dit. Donc, crise n'est pas d'ab jamais résoudre, puisque choix le tabac fait là, pas d'ab jamais refléter choix par nous-mêmes. Guerrier, c'est pour dire, heureusement, nous pas là, Dani. L'organe des gens Jovenel roulé dans Paris, des groupes politiques, des groupes de la société civile, des gens qui ont été de bonne foi, il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient capables de faire un accord politique avec Jovenel Moïse pour permettre de sortir de cette impasse politique. Il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient capables d'arriver à la mise en place d'un gouvernement représentatif qui pourrait aborder les questions fondamentales de l'heure. Il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient capables avec Jovenel Moïse, dans le cadre d'un accord politique, mène un pays à un processus de passation de pouvoir, un processus d'alternance politique de manière apaisée. Il y a des gens qui étaient de bonne foi, ils n'ont pas de comprendre. Mais heureusement, le secteur démocratique et l'alternative avaient bien compris que Jovenel Moïse n'est pas un homme de dialogue. On ne peut pas négocier, on ne peut pas composer avec le mal absolu. Le mal absolu, on le combat et on le combat jusqu'au bout pour répéter le professeur Leslie François Mandela. Alors, maintenant la question est claire. Il a roulé tout le monde dans la farine. Il n'était pas sincère, même si les autres groupes politiques et de la société civile étaient eux-mêmes sincères. Aujourd'hui, la seule option qui reste, c'est le rassemblement de toutes les forces politiques pour lancer la phase finale du combat pour la libération nationale. Voilà la position qui est la nôtre aujourd'hui. Merci un peu, le maître André Michel. Bonne journée. Merci, tenez ferme. Que bon Dieu bénisse nous. Et me saluer Patrick Consignac. Que bon Dieu bénisse nous.